je m'appelle Florence Godette, puis elle, c'est Angelina Baudouin. On est ici parce qu'on a organisé une manifestation pour se faire entendre par tout le Québec, mais aussi par nos directions, parce qu'on pense et on croit que l'union fait la force. On est absolument certaine qu'on peut faire un changement, que ce soit local ou international. Puis chaque petite action de chaque personne qui était à l'événement, autant la direction que les élèves, que le personnel, ben c'est eux qui vont faire le changement. C'est pas nous, c'est eux. Puis c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça, parce que si on avait été juste deux, on n'aurait pas pu. Fait que c'est vraiment, on les remercie grandement pour ça, puis leur implication. On a des revendications qui sont, ben des revendications, on n'aime pas s'employer ça, mais on a des demandes à faire pour nos écoles secondaires, donc enlever le plastique à usage unique, que ce soit ustensiles à usage unique, bouteilles d'eau, des poubelles à trois voies, donc compostage, recyclage et poubelle. On demande ça autant à notre école qu'aux écoles secondaires au complet, parce qu'on croit vraiment que si les jeunes s'impliquent, c'est ce qui va faire changer les choses. Puis la journée du 27, oui, c'est pour l'environnement, mais nous, on vise le après. Les semaines qui vont suivre, on vise l'action. On veut que les gens recyclent, on veut qu'ils fassent une action. Oui, nos petits pots de compote de pommes, par exemple, allez pas le mettre à la poubelle, faites 3-4 pas de plus, allez le porter au recyclage. Puis nous, c'est ça qu'on veut conscientiser tous les élèves du Québec en entier. Mais si c'est notre école qui le fait au complet, bien, juste nous, on va être satisfaits. Oui, exactement. Nous, notre but, c'est de sensibiliser les élèves. Pas de faire un changement du jour au lendemain, parce qu'on est conscient que c'est pas concret, mais on veut juste les sensibiliser puis leur faire comprendre que hey, c'est notre planète, puis que si on peut se battre pour ça, ben on va le faire. Puis chaque petit mouvement qu'on peut accomplir, ben c'est déjà un peu de plus. Fait que... Ah, c'est ça.